Alors, bienvenue dans l'exposition. Donc, je suis l'artiste, je m'appelle Annie Cook, et l'exposition c'est Game of Seduction. Donc, tous les tableaux qui sont là, ils ont ce point commun qui raconte en fait les différentes façons de séduire. Pour partie d'une série, je suis partie mais l'expression en français, j'emballe les hommes. C'est une expression qui n'existe pas dans une autre langue, ça veut dire la séduction, séduire les hommes. C'est ce qui m'intéressait. C'est d'utiliser au sens propre et figuré. Donc j'ai trouvé les différents types d'emballages. J'ai choisi du papier alimentaire, là il y a du papier cadeau, j'ai aussi du papier postal, du papier plastique à fleurs, du papier cellophane. Et j'ai choisi des modèles que j'ai emballés et que j'ai reproduits en peinture acrylique. J'en ai un. Avec du papier à fleurs, donc le papier est plus cassant. C'est celui-là. Cette fois-ci c'est une femme. Et celui-là, il a une histoire particulière parce qu'en fait, au départ, je l'avais appelé la burqa en plastique. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée de garder ce nom. Mais en fait, quand les gens voient cette femme emballée comme ça, ils me disent tous, mais la pauvre, elle étouffe. Et l'idée de la burqa en plastique, c'est que la burqa, elle cache la femme, elle la rend invisible. Donc, j'ai décidé de rendre la burqa invisible. Et comme ça, la femme devient visible. C'était le message. Le second titre de cette toile est Covered Girl. Covered Girl, comme un modèle de couverture de magazine qui met en évidence la plastique de la femme, et Covered Girl s'adressant à la femme couverte, soit celle de la burqa en plastique.